La famille, nouvelle vidéo UFC. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo UFC, défense de titre. Écoutez, je suis en 26 victoires, 0 défaites. Comme je suis John Jones, comme je suis Habib. Mais vas-y, je suis en compétitif. On va mettre en simulation. J'ai deux défenses de titre seulement en plus. Hein. C'est qui lui? Arnold Allen. Je l'ai déjà affronté. Pitié, j'espère. Vas-y, on le prend. Let's go. On le prend. Je me demande comment on fait pour aller dans la catégorie au-dessus. J'aimerais trop aller dans la catégorie au-dessus. Je vais augmenter la hype direct. Bah, on se voit du coup après les 5 semaines d'entraînement. Hein, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne, les frères. Let's go. Donc voilà, on est fin prêt. Comme vous l'avez vu au niveau du fitness, je suis à mon pic. Vous étiez beaucoup à me dire ça en commentaire. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui commentent parce que vous boostez mes vidéos à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'ai autant de commentaires sur cette chaîne. Sachez que je vous aime. Vous pensez, je dis ça d'une manière totalement. Hein. Non, je vous aime. C'est-à-dire, tu me vois, je te vois dans la rue, tu me dis toto, je commente tes vidéos, je suis ta chaîne gaming. Et à moi, je te paye un bail dehors carrément, chef. Là, je vous ai écouté. Je vais essayer de le mettre en KO parce que j'ai l'impression que vous en avez marre du sol. Mais c'est mon style de jeu. C'est mon style de combat. Oh là là, faut que je récupère ça impérativement. Vitesse coup de pied, puissance coup de pied, on bouge pas. Jeu de jambes. On va améliorer le jeu de jambes. En haut, je suis un boss. Hein. Attaque par soumission, je suis au max. Takedown, je suis au max. Ça, je suis obligé d'augmenter ça. Hein. Ah, j'aurais dû augmenter mon cardio et tout. Putain, bon, j'ai encore du boulot. Allez. On passe directement au combat. N'attendons plus. N'attendons plus. 760 000 dollars. Le combat. Plus 760 000 si je gagne. Et vous m'avez fait augmenter la difficulté, bande de bâtards. Vous m'avez fait augmenter la difficulté. Vous avez fait exprès. Vous voulez me voir perdre, frère. Si je perds, c'est la fin. Je t'ai un peu beau. Putain, je vais te tonner. Je vais te tonner. Ce soir, il revient défendre son titre. Je vais te tonner. Beau. Tout dans le foie. Parce que les démons, ils ont pas de foie. De l'UFC. Il se considère non. La présentation de ce combat de champion. Vous connaissez la patate du foie. Et voici. Vous allez la connaître. L'arbitre, Herb Dean. La soirée du Rumble. Tout d'un fois. Ah, quelle technique. Coup de pied à la carrément, tête. Carrément, on voit même plus l'endurance, wesh, vous êtes fous. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Cette énorme droite n'est pas passée loin. Comme toi aussi. Tiens, les démons n'ont pas de foi. Tiens, coup dans le foie encore. Coup dans le foie. Très bien bloqué. Et ce crochet l'atteint au corps. Allez. Pas le temps de se mettre en place. Une minute et ils sont déjà au charbon. J'ai même pas eu le temps de régler mon siège. Il place un crochet au coup dans le foie encore. Parfaitement. Les diables n'ont pas de foie. Kick, c'est bien vu. Ah, il a su trouver la faille. Le combattant s'engage dans un single collar tie. Il va en profiter pour attaquer avec sa main libre. Son adversaire doit se libérer pour éviter trop de dégâts. On ne va bientôt plus rien voir du côté gauche. Allez, viens là, mon copain. Viens là. Non, les frères, vous inquiétez pas. La solution va pas marquer. Ça va pas marcher. C'est juste histoire de fatiguer. Regardez cette arme triangle. Sa prise est hyper serrée. C'est juste pour le fatiguer, les frères. Il va pas taper. Il va pas taper. Sale chien, va. Allez, là, et là, et là, tu vois, on fatigue. On fatigue. Il n'a pas dit son dernier mot. Il tente tout pour se dégager. Et il le fait sans se précipiter. Les bras qui écartent. Non, 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 viens là, viens là, viens là, viens là. Quelle lucidité. Et ça marche. Oh oui. Viens. Oh.
Il a retrouvé Allez. Sa base. Va pouvoir faire mal. Là, tu vois, moi, j'ai un takedown dans le round. J'ai un takedown. Il part ce coup. Viens. N'oublie pas, j'étais un boxeur. J'étais un vieux boxeur avant. Quelle vitesse. Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Voilà. Apparemment. Et avec ce coup, son visage gonfle toujours plus. Comme ça, ça risque de devenir... Je suis en train de le fouetter. Enfin, il va peut-être comprendre qu'il faut commencer à bloquer. Oh là là, mais je lui fais la misère. C'est efficace en plus. Regardez-moi son oh là là. Attitude. On dirait un boxeur il m'a ouvert. Sur un ring. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez son œil? Moi, je dis que c'était une bonne frappe. Oui, elle a causé une coupure. Concentre-toi, Toto, je concentre-toi. Prudent pour éviter de l'aggraver. Oh, cette frappe bien placée a légèrement blessé son adversaire. Oui, c'est une petite coupure. Attention quand même à ce qu'elle ne s'aggrave pas. Pas mal, ce leg kick. Et c'est à toi, moi. Concentre-toi. Faut juste qu'on ait le round. On va avoir le round. Le crochet vient le percuter au corps. Beau crochet. Achou. Chien. Là, c'est le coup de pied. Voilà. Il est bon au pied. Il a quel goût? Le sol. Et quels appuis. Tu restes une minute. À 40 secondes, je fais un takedown. 40 secondes takedown. M'en fiche de ce que vous dites. Moi, je veux gagner, moi. J'augmente la difficulté. Vous me laissez faire mon jeu. C'est ça le vrai combat UFC, il y a des takedowns, Toto. Okay. Une minute. Et la frappe touche. Le combattant ne lâche rien. Et sa coupure s'aggrave à vue d'œil. Il aurait fallu s'en occuper dès le début. Mais lui, il est fou, t'as vu, il veut gagner le round. Viens ici. Viens ici. Dans cette zone sensible autour de l'œil. Ah, il a bougé la tête au sol. Oui, joli timing pour éviter cette frappe. Allez hop, half guard. Ce n'est pas fini. On a un takedown, c'est bien. Attention, la gauche qui touche. Quelle belle frappe. Sa jambe est dans un sale état. Oh, le fils de chien. Dernière seconde de ce premier round. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Vous avez vu ce que vous m'avez fait faire? Vous avez vu ce que vous m'avez fait faire? Eh hey Barry Allen, je vais t'étrangler. Hein. Une frappe nette qui crée la coupure. Non les frères, c'est dur, je vous jure c'est dur là. Il y a du sang par terre, ouais, je vous êtes sérieux? Allez, c'est parti pour le deuxième round. Ouh là là. Le crochet touche au corps. Allez, Totoche, aie confiance en ta boxe. Aie confiance en ta boxe. Voilà, Vesky. Vesky encore. Il a mis tout son poids dans ce crochet et il passe juste à côté. Et la tête, encore un coup qui touche après cette combinaison incroyable. Oui. Il est incroyable, ce serait de savoir pourquoi son adversaire ne se protège pas mieux. Inattention sans doute. Et un direct qui touche. Celui-là, il était vraiment bien placé. Quel bras. Allez. Combat, les deux se rendent coup pour coup. Oh là, attention, ce qui n'était qu'une petite coupure est en train de prendre de l'ampleur. Ça saigne vraiment cette fois, non? Eh oui, il a transformé la petite coupure en liquide. Le pitié, mais tombe! Les frappes qui s'enchaînent et qui touchent, quelle technique! C'est un vrai régal, et regardez avec quel pourcentage! Il part sur un single collar. Viens! Vous voyez, le plus de frappes possible tant que son adversaire. Un gros coup de pied à la tête. Oh, ça doit faire mal. Les frères, je vais la voir. Je vais la voir à l'usure. Très bien esquivé. Wow, quelle puissance et quelle souplesse. Oh, droit au corps, quel coup de pied. Et il est sonné, une fois de plus. La gauche touche la cible. Allen. Oh là là!
ça sent la fin. Et cette coupure qui provoque l'arrêt de ce round avant de provoquer celui du combat peut-être. Ah, le docteur arrive pour regarder ça. Pitié, oui. Docteur, il peut plus se battre. Docteur, pitié. L'arbitre a reçu la confirmation du médecin que le combat pouvait reprendre. Si le médecin l'a dit, c'est que c'est vrai. Purée. C'est frustrant de se voir arrêter juste pour une coupure finalement pas trop sévère. Bon, l'arbitre. Ah, oh, ça fait chier ça. Après un petit contrôle de santé. Là, il a pu se reposer là. Eh bien, les fans veulent voir l'action reprendre. Absolument, les officiels ont décidé que c'était bon. Alors que parfois même les athlètes ne sont pas sûrs de pouvoir continuer. Bon, des officiels très intelligents au bord du ring qui ont pris une décision et ils ont décidé que le combat devait reprendre. Point final. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, il faudra tout faire pour éviter d'aggraver cette blessure. Et attention, est vraiment trop amoché pour pouvoir continuer. Ah, moi j'aurais arrêté ce combat depuis un moment. Allez, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. L'arbitre hésite encore. Non mais regardez-moi ça. Sa blessure est vraiment critique. On en est arrivé à un point où il est tombé comme une mouille. Il est tombé comme un spaghetti. Comme un petit caca. Vous faites augmenter la difficulté. C'est moi qui vais bouger encore. Vous allez voir. Oh là, regardez la gauche, regardez la gauche. Vous avez vu la gauche? Il est tombé, toutes ses vertèbres se sont cassées. Vous doutez de moi? Doutez de moi encore, doutez bien, vous allez voir. Moi je suis imbattable, moi je le dis. Moi je vais pas perdre, faites-moi augmenter encore après encore la difficulté. Je vais vous bloquer, vous allez voir. Vous allez voir. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 29 seconds of round number 2, declaring the winner by knockout and steal. Student heavyweight, heavyweight champion of the world. Big. Voilà. Big Totoche, parce que c'est mon surnom. Titre de champion UFC, catégorie poids plume. Par la force et avec un KO. Non seulement c'est pas un TKO, hein. KO. En plus, il fait parler la poudre avec ce KO absolument magnifique. KO. Là, je vais toucher 1 075 000 dollars. KO. KO. Je vais le refuser. Je vais refuser lui. Il m'intéresse pas. Vraiment, vraiment, il mérite pas son titre. Son. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Voilà. Celui d'avant, je vous jure, il méritait pas. Je vais le S. C'est trop mon petit. On s'est battu 3 fois, ma gueule. 3 fois, je l'ai battu. Non, il méritait pas. Lui, par contre, je l'ai jamais affronté. Calvin, je sais pas quoi, là, Calvin Klein. On va voir qui est qui. Bref, je vais faire la promo du combat. Je vais essayer d'avoir mon pic de fitness au max. Et puis, on se retrouve dans les 6 semaines d'entraînement, du coup. Bon, ça y est, on est enfin prêt. J'ai full up de points de compétences. Je vais améliorer tout de suite mes trucs de corps, mon cardio, tout ça. Parce que ça va devenir trop important. Donc, cardio, résistance aux coupures. Vigueur jambes, pitié, mes jambes c'est waouh, hardcore. Ben voilà, hein, on n'a pas le choix. Aussi, je voulais voir quoi? Je voulais voir au niveau de la difficulté. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'ATH de jeu, je pense. Ça change pas grand chose que ce soit là ou pas. Non, les arrêts du médecin, on va enlever quand même. ATH 2. Voilà, j'ai remis la TH au moins, l'endurance et tout, parce que même pour vous, c'est plus intéressant de voir l'endurance, quoi. Allez, let's go, place au combat. On va encore empocher plus d'1,5 million grâce à ce combat. Vous vous rendez compte d'où on vient? On vient de loin. On vient de très loin. Et
ce soir, il revient. Et voici les données de ce combat de championnat Featherweight. Il est en 27-10-0 et je suis en 27-0-0. Avec Bruce Buffer. Il a 45 ans. 1m80, par contre, il a une plus grosse allonge. Et c'est Herb Dean qui sera ESPN Plus. Ah, je suis à Vegas. C'est à Las Vegas, je crois. Son titre lors de son dernier combat retentira-t-elle encore ce soir? Oulala. Et il touche avec son jab. Le coup passe partout qui marche toujours. Il est chiant, lui. Qatar cherche à placer son gauche, mais ça ne passe pas. Oh, oh, ça, c'est du coup. Ah, je veux t'emmener au sol, tu veux pas? Direct à la tête, c'est efficace. Tu veux pas aller au sol? Tu veux pas aller au sol? High kick, quelle puissance! Il le frappe au corps en clinch. Mais lui il est fou lui! Mais lui il est fou! Oh, regardez ça, à peine une minute! Viens ici frère! Viens ici frère! Viens ici frère! Viens ici frère! On va faire ma soumission! Je vais te fatiguer, poteau. Je vais te fatiguer, poteau. Je vais te fatiguer, poteau. Simplement incroyable. Comment on peut sortir d'une telle soumission? Je ne sais pas. Je crois qu'on va. Viens ici. Reviens. Je connais trop bien le sol. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, poteau. On va voir si ça va tenir. Ok, faut que je me repose. On repasse en side control. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. C'est pas grave. Je prends mon temps, je respire. Malgré une mauvaise position, il atteint sa cible. Tu veux rester au sol? On va rester au sol, poteau. Je crois que je vais l'avoir, les frères, je vous mens pas. Je crois que je vais l'avoir. C'est toujours ce genre de finish qui marque le plus les esprits. Il m'a fait peur debout, il me faisait peur. C'est parti pour le replay du combat. Les gars, je suis un combattant UFC. Je vais au sol, je suis debout s'il faut. Si je suis bien debout, je suis bien debout, là je n'ai pas bien. On va au sol, c'est un combat gagné, sans prise de dégâts. Masterclass. Au sol, je lave. Je suis allé au Daguestan, c'est pour que ça serve à quelque chose quand même. Ils ont qu'à devenir chaud au sol. Je resterai debout. Je suis trop technique. Oh non, je suis trop technique. Je suis trop technique, frère. C'est tout. Mon combat, je crois... Ah oui. Là, les frères, vous avez un putain de vrai combat. Là, vous avez un vrai combat, là. Je peux pas pronostiquer le... Je vais... En vrai, je mets soumission troisième round. Parce que si j'arrive pas à le finir debout, je vais aller au sol, en ça. Il est trop fort. Attends 6 semaines, hein, les frères. C'est waouh. Ah bah let's go, ça va être sans aucun doute, le combat le plus dur de ma carrière. Le combat le plus dur de ma carrière. Je pense que si je refais une carrière UFC, je ferai en mode heavyweight ou alors comme ça j'affronte des combattants connus, des Hamzat, tout ça. Parce que là, c'est très rare les combattants connus. Là, c'est dingue d'affronter Volkanovski.
C'est une dinguerie. Volkanovski s'approche de la cage. Le combattant polyvalent a l'air plus que déterminé. Et il sait qu'il a le... Pourtant, je vais te laver. Mais j'ai peur. Mais je vais te laver, mais j'ai un peu peur. T'as capté? Allez. Totoche. Va pas trop au sol. Reste debout. T'as une plus grande allonge que lui pour une fois. Distance. Crochet. Patate. Ne laisse pas respirer. Colle-le. Tu te protèges. Tu mets des vesquilles. Tu reviens à la charge. C'est ça, mon game plan pour l'instant. C'est ça. Il a une plus grande allonge que moi. Ah ouais, je suis finito. Je suis vraiment finito. Allez. Ne le laisse pas respirer. Il va croire, il est chaud, ne le laisse pas respirer. C'est le rêve de nombreux combattants. Lui, il a réalisé ce rêve lors de son dernier combat. Ne le laisse pas respirer. Protège-toi, protège-toi. Joli crochet au corps. Low kick. Voilà. Doucement, doucement. Voilà, allez. Tu le tapes, tu reviens. Oh là là. Faut que je fasse. Hé! Il touche avec ce high kick. Méchant. Et la combinaison. Il fait mal, hein. Il fait mal. Que c'est beau à voir. Il est parfait. Abîme-le, abîme-le. Faut que je l'abîme. Parce que le combat, s'il dure, faut qu'il soit abîmé un peu. Il bouge beaucoup, hein. Putain. Choqué. Et voilà, ce coup de pied intérieur a giflé son adversaire. Cette partie du corps est plus molle, la douleur est plus forte. Oh là là. Pour l'instant, il a le round. Hein. Pas du tout efficace. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Wesh. Quelle force dans la parade. Bon, voilà, une minute de combat et ils sont déjà en mode attaque. C'est pour ça qu'ils sont venus, non? Voilà, des frappes au corps, on l'abîme un peu. On va abîmer un peu sa jambe. Et encore les bouts à la tête qui touchent. Eh, il fait mal, hein. Il fait mal de baiser. Ouais, ça fait même beaucoup trop. Joli crochet au corps. Il rate son... Ouh là là, il voulait m'emmener au sol, le fou. Il m'emmène au sol, je vais à la soumission. Ne me parlez pas de je sais pas quoi. Si je peux essayer de le soumettre, la soumission c'est mon point fort, je vois pas pourquoi je me priverais. S'il m'emmène au sol, il est mort. Oh là là. Sur ce coup de poing. Non. Je le laisse taper, j'y vais. Regardez l'aspect. Volkanovski. Voilà. Rate son gauche. Il m'a ouvert. C'est manqué. Jab manqué. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. En même temps que j'aurais vu l'ouverture qu'il lui laisse. Ah bah oui. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Voilà, abîme-le. Son adversaire insiste. Mais il est fou, une vesquille, oui, comme voilà. Ça. Le visage est protégé. Les vesquilles, c'est moi, je fais des vesquilles comme et ça, normalement. Protéger son visage. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu. Jamais. Un moment. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sol maintenant? Allez, coup de pied. Son droit a l'air bien gonflé. Faut pas que sa tête soit moins abîmée que la mienne. Il rate de peu cette violence. Allez, reviens encore, reviens encore. J'ai mon Sharingan, poteau, reviens encore. Joli crochet qui touche au corps. MDR, caca. Direct au corps. Ouh, ça claque. Bien bloqué. Faut que je m'éloigne. Ok. Bon, alors je ne vois pas très bien, mais son torse commence à rougir. Son adversaire a visé au corps ce soir. Oui, ça c'est sûr. Les efforts de son adversaire n'étaient pas dans l'immédiat. Dégage. Mets-le pas au sol. Dernière minute de ce premier round. Et l'enchaînement de coups de pied. Belle efficacité. Incroyable. On dirait qu'il danse.
Et merde, ça veut pas passer. Hein. Il est loin, mais il est prêt en même temps, c'est hardcore. Mais comment il se téléporte? Il lui met accroché en pleine tête. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Le crochet qui touche. Il porte un nouveau crochet. On voit sa joue qui saigne. Oh là là. Oh, bien bloqué. 15 secondes. Et merde. Il bloque le takedown. Quelques secondes de plus et il était certainement allongé au sol inconscient. C'est ce qu'on appelle être sauvé. J'ai voulu prendre trop de risques, tu vois. Quand je... Là, j'ai voulu absolument l'amener au sol pour gagner le round. J'ai pris trop de risques. Ah ouais, non, de baiser. J'ai pris trop de risques. Faut que je reste dans mon game plan. Faut pas que je tente des trucs. Tant pis si j'ai pas eu le round. Ok, je tente un truc. Joli, ça attaque au corps. Il le rate avec cette frappe. Waouh. Il envoie un violent low kick. Waouh, il est en train de me dominer. Allez, Totoche, reprends-toi. En effet, il n'a pas l'air... Voilà. On va voir qui est qui, sale chien. On va voir qui est qui. Oh, on va voir qui est qui. Le combat, il va filer directement aux urgences. Superbe coup qui pénètre bien sa cible. On va voir qui est qui. Volkan. Volkanovski veut placer un crochet, mais c'est bien bloqué. L'uppercut qui vient cueillir son adversaire. Viens là. Parfaitement joué le coup. Viens là, tu vas pas me dominer. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur coup ce soir. Regardez dans quel état ils sont. M'en fous, la bagarre. Moi, je suis là pour la bagarre, moi. Ce crochet, la fin au corps. Oh, superbe échange. Beaucoup de sang perdu avec cette blessure. Très beau. Il est en mauvaise posture. Il est debout. Joli takedown. Il est en position de half guard. Oh, il lance sa soumission. Jesse. Son adversaire s'il arrive à le bloquer. Il va avoir du mal à s'échapper de cette kimura. Jesse, imbécile. Allez. J'ai pas envie de tenter de soumission sur lui. Je vais me fatiguer pour rien. Allez. C'est le plus beau combat de l'année. Et puis ce sang, ça rajoute un côté dramatique. Bravo messieurs, la palme du MMA vous appartient. Voilà. Putain, il a trop de... Quel leg kick. Oh, c'est dur mentalement là, après le knockdown de ce round. Il est en train de lâcher ce combat. On n'est pas encore là, mais effectivement, sa confiance en a pris un coup. C'est pas possible de bouger aussi vite. Oui, un bon coup de pied. J'ai adoré son style là-dessus. Je vais me battre comme un bonhomme, gros. Je vais me battre comme un bonhomme, cherche pas. Allez Totoche. En mauvaise position parce qu'il risque de subir cette frappe s'il n'arrive pas à se libérer de cette prise. Ce crochet a marqué des points. Allez Totoche, vas-y. Aie confiance dans ta boxe. Crochet qui passe à côté. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Sa coupure à la joue est vilaine, elle saigne beaucoup. Ça, c'est du leg kick. Super takedown par double leg. Ah, il s'est bien dégagé. Bien Veski, poteau. Bien Veski, poteau. Viens ici, fils de chien, va. Ça saigne. La fin du combat dans pas longtemps.
Toi et moi, on va saigner aujourd'hui. Toi et moi, on va saigner aujourd'hui. Toi et moi, on va saigner aujourd'hui. Et un joli jab. Toi et moi, on va saigner aujourd'hui. Le direct, il a touché. Ah, il a pas fait semblant là. Et une grosse combinaison de frappes bien exécutée. Oui, il touche encore et encore. Son adversaire est dans le jus. Il passe un puissant coup de genou encore. Ah, mais quelle horreur! Il est littéralement en train de se vider de son sang. Superbe coup de pied circulaire en pleine tête. Joli crochet à la tête. Reviens ici. 15 secondes. Jambe contre jambe. Ouh là là. Ma tête. Et la tête, attention, ça touche encore. Quelle combinaison impressionnante. Impressionnante, oui, mais. Il est trop fort, Magin. Ouais, je commence mon jeu, les boîtes et tout. Oh non, c'est trop ma gueule. La tête d'homme, c'est trop ma gueule. Wesh. Une frappe nette qui crée la coupure. Ah non, il est trop fort, frère. Ok, Totoche. Totoche. Je fais quoi, là? Qu'est-ce que je fais? Il est trop complet au sol, je sais que je peux l'avoir, mais il faut que ce soit lui qui m'emmène au sol. Parce que si je fais une tentative de l'emmener au sol, il a contre, il va me niquer. Je pense que je vais rester debout, et il faut que je sois vraiment à mon prime debout. Genre vraiment. Bien bloqué et bien répondu. Faut que je sois vif et tout. Énorme droite, voilà. Qui passe à côté. Il voilà. Encaisse ce coup de pied au corps. Il continue avec les coups de pied. Blocage en puissance. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Énorme crochet, c'est raté de peu. Cette coupure à la joue saigne énormément, c'est mauvais signe. Allez. Et c'est à côté. Allez Totoche, prime. Allez, on attaque. Jab, tout en jab. Ça c'est du clinch. Putain. Allez, tiens. Voilà. Crochet. Voilà. Voilà, crochet. Uppercut du droit. Bouge, Totoche. Bouge. Veski. Crochet. Volkanovski. Coup de coude, non. Déplace vers la droite. Oh, cette joue a fini par obliger l'arbitre à. Qu'est-ce qui se passe? Il veut un avis médical. Le docteur arrive. On va vite savoir si ça va reprendre ou pas. Ah, c'est fini. Le médecin ne le considère pas apte à reprendre. Il va pas apprécier. Mais vu l'état de sa joue, c'est quand même une bonne décision. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, the doctor has called a stop to this fight. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC featherweight champion of the world. Ok, donc il était le meilleur des poids plumes avant ce combat. Eh bien, rien n'a changé, il est toujours champion UFC de sa catégorie. Félicitations. Je sais pas quoi en penser les frères. Parce que là, Volkanovski m'a fait du mal. Hein. Et je sais pas pourquoi le combat s'est arrêté. Parce qu'il me semble que j'ai mis simulation et j'ai enlevé le truc de l'arbitre. Il me semble que je l'avais enlevé. C'est pour ça que je voulais pas toucher. Difficulté, je comprends rien. Ah, ce serait allé jusqu'au bout là, ça aurait été sanglant, mais je suis pas sûr que j'aurais gagné, hein, je vous mens pas. Wesh! Tu sais ce que je dis sur le fait de te battre le fer pendant qu'il est chaud? En ce moment, il est brûlant. Est-ce que tu vas aller chercher une autre ceinture? Les gars, on va aller chercher une autre ceinture dans une autre catégorie.
dans la prochaine vidéo. Ah ah, vous inquiétez pas, je la fais vite en vrai. Je pense que ça va sortir demain ou même... T'inquiète. Bref, je vous fais des gros bisous les frères. Et puis on se tient au courant pour le combat, le super fight. Le combat ultime. Contre un nouvel adversaire d'une autre catégorie de poids. Donc on monte de catégorie de poids pour la vie, vous vous rendez compte? Bref, des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine.